Bonjour à tous. Je m'appelle Nathanaël Mathieu et aujourd'hui je vais introduire cette session sur l'homme en puissance et vous parler de l'humain au centre. Alors avant tout, je vais me présenter. Je, ça fait sept ans que je milite pour la transformation des pratiques de travail et cette révolution du travail. Ça m'a amené à créer un accélérateur dédié au sujet. Une entreprise de conseil, une start-up et même une association qui a milité tout autour de la France pendant plusieurs années pour aller sensibiliser au coworking aux nouvelles pratiques de travail. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être ici, évidemment pour partager cette transformation-là, voir à quel point cet événement, euh, cette deuxième édition, a, a touché les gens et de voir que ce sujet aujourd'hui n'est plus un sujet minime, n'est plus un sujet qui euh, finalement est pris par-dessus l'épaule par les dirigeants et les salariés, mais bien un sujet de fond. Euh, L'humain au centre. Finalement, quand on m'a dit tu vas intervenir sur euh, ce sujet, je me suis posé la question. Finalement, il est au centre de quoi L'humain. Et euh, ma conclusion aujourd'hui de dire il est au centre, il doit être au centre de nos préoccupations. Préoccupations à titre individuel. Et pour ça, je vais commencer par un, finalement un petit retour d'expérience. Il y a quatre mois, j'ai décidé euh, de prendre une semaine pour moi, de sortir de l'entreprise et d'aller euh, faire une semaine. Euh, de retraite euh, dans un au village des pruniers qui est un, un monastère euh, bouddhiste. Euh, l'idée n'est pas de vous présenter ce que j'ai vécu là, euh, puisque en huit minutes ça sera un peu court, mais simplement vous dire que on a parlé d'ego tout à l'heure, on a parlé de, de pleine de conscience. Euh, aujourd'hui, je pense que ces pratiques de méditation pourraient largement aider à titre individuel beaucoup de personnes à justement mieux appréhender cette transformation des modes de travail et de changement personnel, mais je voulais simplement vous dire comment ce séminaire qui regroupait 200 hommes d'affaires du monde entier a commencé par une question simple qui était ⁇ Who is the boss ?⁇ Alors cette question, on se la pose tous quand on est dans une entreprise, mais à titre individuel, la question de qu'est-ce qui nous gouverne quand on va au travail, ce mental, ce conditionnement qui fait que bien souvent, on se pose plus de questions sur le sens que l'on porte à notre travail, le pourquoi. Est-ce qu'on y va pour l'argent, pour le pouvoir, pour apprendre des choses, par enthousiasme En fait, on voit bien que nos attentes autour du travail sont diverses, qu'à titre individuel, on se laisse souvent submerger par euh, finalement ce conditionnement qu'on a depuis l'école, autour de la compétition versus la collaboration, autour de protéger notre précaré et toutes ces, finalement, ces, ces pratiques qu'on a mises en œuvre et qu'on re, remet en œuvre sans arrêt. Alors ce changement au niveau individuel, euh, il y a une association qui, qui réfléchit beaucoup, c'est So Many Ways, et Anaïs interviendra juste après euh, sur la table ronde, et qui suit des centaines, des milliers maintenant de, de, de jeunes qui justement se posent des questions autour de finalement, quelle est... Euh, ma place dans l'entreprise, comment je peux me transformer. Et ce qui est intéressant dans leur retour, et j'espère qu'elle aura le temps d'en parler un peu, c'est que finalement, il y a une multitude d'attentes, une multitude de profils, bien loin des lieux communs qu'on peut avoir sur euh, finalement euh, cette génération Y, Z, et millennials qui sont euh, juste entreprenants. Non, ils sont bien plus complexes que ça, et nous sommes tous plus complexes que ça. Et donc, se poser la question de l'humain au centre, c'est se poser, je pense, pour l'entreprise la question de cette multitude de désirs. Que chacun de nous, dans l'entreprise, a des désirs, a des attentes. Alors, on ne parle pas beaucoup de désirs, on parle souvent de, de besoins, de métiers, de pratiques. Mais moi, je parle de désirs aujourd'hui. En fait, on a tous des désirs au niveau de notre évolution, au niveau de ce que l'on veut faire dans le travail. Et l'entreprise doit gérer avec cette complexité. Aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise qui se soit posé vraiment, soit allé au bout de cette réflexion sur finalement quels sont tous ces désirs, quelles sont toutes ces attentes, quelles sont ces multitudes de profils que j'ai dans mon entreprise. Et comment finalement je fais, et j'espère que Boris tu pourras en parler tout à l'heure également, pour accompagner ces personnes, ces salariés dans ce parcours, puisque finalement c'est un cheminement que je vais y avoir dans l'entreprise. Et donc les questions que ça pose, je pense, au-delà de l'individuel, c'est l'humain au centre des préoccupations de l'entreprise. L'humain au centre, ça veut dire le faire passer au cœur. Ça ne veut pas dire oublier le business, ça ne veut pas dire oublier les clients, mais ça veut dire repenser à l'humain avant. Et qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire prendre le courage de mieux appréhender ces multiples désirs, d'aider l'individu dans cette transformation-là et de faire en sorte que ça ne soit pas la cacophonie. Puisque si on laisse ouvert cette capacité à l'individu de faire ce qu'il veut, s'il n'y a pas un cadre, s'il n'y a pas un accompagnement, je ne crois pas qu'on pourra arriver à quelque chose de cohérent. Et comment peut-on faire ça Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Cela veut dire que toute la logique autour de la rétention de talent, quel mot affreux, la rétention de talent finalement n'a plus beaucoup de sens si l'on va dans, ce, dans cette optique-là. La question c'est plutôt de faire comment faire en sorte que ces multiples personnes avec ces désirs différents vont travailler de manière intense et efficace ensemble. Et donc, ça pose la question finalement de comment j'arrive à faire, sans penser que les personnes seront dans ma boîte pendant des années, que le moment où elles sont dans cette entreprise est un moment d'efficacité et d'intensité. Et donc, ça pose la question de comment l'entreprise, un, accepte de remettre du coup cette notion d'individu au centre, deux, comprend. Qu'il faut analyser quelles sont les attentes personnelles de l'individu et ses désirs d'évolution, apprentissage, argent, pouvoir, pour mieux l'accompagner là-dedans, et de créer une logique de cohérence là-dessus. Et pour ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du coworking. Notre entreprise est née en même temps que le coworking. On s'est beaucoup inspiré de la culture, on a aussi beaucoup fait pour aider au déploiement du coworking, et je le dis souvent, pour moi, Mutinerie, qui est un des premiers espaces de coworking, a trouvé avec son slogan, Libre Ensemble, la simple, euh, le, le, le résumé le plus parfait de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Arriver à faire coïncider cette notion de liberté de choix dans sa trajectoire, qu'on soit indépendant ou salarié, avoir finalement, reprendre le contrôle sur ce que l'on a envie de faire, mais dans une logique de le faire ensemble, c'est-à-dire dans une dynamique de groupe collective, organisée, efficace. Arriver à cela aujourd'hui doit être, à mon avis, l'objectif numéro un d'une entreprise qui se dit en révolution du travail. Au-delà des discours, au-delà du greenwashing, au-delà de tout ce que l'on peut dire, il s'agit de poser concrètement cette notion de comment on peut arriver à travailler libre et ensemble. Et du coup, ça me pose la, un, une dernière question autour de finalement quel est le rôle. De, du dirigeant. Remettre l'homme au centre, c'est avant tout aussi faire son choix en tant que dirigeant, faire so, so, entre guillemets, sa transformation en tant que dirigeant. Et je pense qu'aujourd'hui, et on l'a appris durement, on a accompagné euh, il y a trois ans une entreprise dans sa transformation, il y a eu un changement de direction générale, et en l'espace de une semaine, tout a été remis à plat, et on est retombé à l'âge de pierre. Et quand j'en parle, là, j'ai encore la rage, en fait. Euh, au fond de moi, parce que je me dis qu'en fait, il s'agit, souvent on dit, le dirigeant, le manager, tout ça, ça va sauter, mais non. En fait, aujourd'hui, dans cette optique de transformation, ces personnes-là sont clés. Elles doivent arriver elles-mêmes à faire leur, tra leur, leur transformation individuelle, arriver à faire passer ça dans l'entreprise, mais il faut que vous gardiez en tête qu'on a une notion de temps qui est très longue pour mettre en place, avant que la culture soit ancrée dans l'entreprise, et que dans vos entreprises qui essayent de se libérer, il y a encore une grande part d'instabilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire passer ce message à vous, entrepreneurs, start-upers, on en a entendu un tout à l'heure, le meilleur moment pour libérer d'entreprise, c'est encore de la construire libre. Parce qu'après, c'est des années, des années, des années de travail et de galère. Donc pensez à la, à la mettre libre, à vous, BPI France, accélérateur, etc. Aider les startups à pitcher, à trouver de l'argent, etc. Mais aider diri leur, leurs dirigeants à se poser en hommes libres et à poser leurs entreprises en hommes libres à mettre l'humain au centre. Et enfin, vous tous, aidez aussi à cette transformation de cette école, de ces modèles alternatifs, parce qu'on galère beaucoup, là encore, à libérer les entreprises. Mais si, au niveau de nos enfants, on arrivait à avoir des modes d'éducation qui soient... Justement, plus autour de la bienveillance et de l'accompagnement à l'apprentissage, on n'aurait pas tout ce travail à faire au niveau individuel derrière. Et pour la petite anecdote, je cherchais une école alternative pour ma fille qui entre en CP en début d'année. Je suis allé sur le site des écoles alternatives freinées à Nantes. Quand j'ai lu la description de l'école, je me suis dit si je remplace le mot élève par le mot salarié, j'ai la description de l'entreprise libérée. Donc derrière, soutenez ces initiatives. Essayez de soutenir l'initiative pour qu'il y ait des entrepreneurs libres et faites ensemble en sorte que vos entreprises se développent dans une logique de libre ensemble. Merci. Et nous allons maintenant avoir un, une vidéo avec un petit micro-trottoir pendant quelques minutes. Merci, au revoir. Pendant dix ans. Euh le travail aura probablement encore changé par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Mais je pense que l'entreprise du futur sera mixte, dans le sens qu'il y aura une partie de télétravail qui déjà est déjà bien démarrée dans certaines structures. Que le salarié travaille quand il en a envie, qu'il puisse disposer de, de, de ses plages de travail euh, plus facilement. Qu'il puisse par exemple travailler de chez elle quand elle l'estime nécessaire, mm -hmm. qu'elle puisse travailler pour d'autres groupes. C'est vrai que le télétravail, dans mon cas moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et euh, en performance. Il y aura plus de personnes qui travailleront à leur compte, avec la digitalisation, avec euh, l'ubérisation un petit peu de la société. Je pense que le numérique prendra une grande place, une place prépondérante. Une bonne chose pour les nouvelles technologies, après euh, une moins bonne pour les relations humaines, forcément. C'est des robots qui feront le travail. Moi, ce que je changerais, c'est que les managers. Les différentes euh, sociétés que j'ai travaillées viennent chaque matin, se déplacent dans les bureaux et viennent dire bonjour au, à leurs collaborateurs, savoir comment ils vont, etc. Ne serait-ce qu'un simple bonjour, ça changerait beaucoup de choses. Aujourd'hui, et surtout en France, on est encore plus rétrograde et on reste sur des organisations un peu pyramidales, hiérarchiques, militaires, qui vont être amenées à changer, euh, comme on le voit dans les nouvelles entreprises. Je pense qu'il sera tourné beaucoup plus euh, vers tout ce qui est euh, environnement. Je ne suis pas particulièrement euh, écologiste, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même important et on voit que même des grands pays comme la Chine s'orientent euh, sur ces questions et deviennent des numéros un dans le secteur. Il y aura moins d'heures de travail et une plus grande qualité de travail et surtout j'espère euh, beaucoup plus et je crois que ça change déjà dans les nouvelles générations, beaucoup plus d'attention euh, à l'humain et beaucoup plus euh, d'intelligence émotionnelle. Avec l'intelligence artificielle et avec la digitalisation, je serais même incapable de vous dire, et c'est ça aussi qui est intéressant, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, et voilà, c'est prometteur.